Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, la parole de Dieu nous parle en ce jour, en ces termes. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. » Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare. » Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste. Plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimés de Dieu, telles sont les paroles que l'Église nous propose en ce jour. L'Église en ce jour nous montre une forme d'humilité à travers ce publicain. Bien des fois, nous jetons des regards de jugement envers notre prochain. Bien des fois, nous nous élevons au-dessus des autres. Alors aujourd'hui, entre au-dedans de toi. Entre en toi et demande pardon au Seigneur. Demande au Seigneur de te donner la grâce. Demande au Seigneur de t'envoyer son réveil, le Saint-Esprit, afin qu'il vienne et qu'il te convainque du péché, afin qu'il vienne et qu'il te purifie, qu'il purifie ton âme, afin qu'il vienne siéger, demeurer, rester avec toi. Tu as besoin du Saint-Esprit pour demeurer humble. Parce que l'humilité, nous dit la parole, précède la gloire et tu as besoin d'être humble. La Bible même nous dit que Jésus, lui qui est Dieu, n'a pas jugé être l'égal de Dieu. Mais il s'est rabaissé, il s'est humilié, prenant la condition humaine jusqu'au point de mourir sur une croix. Et cela, il l'a fait pour te montrer que pour être élevé, honoré aux yeux de Dieu, il faut être humble. Et il nous a donné un autre exemple en lavant les pieds des apôtres. Alors aujourd'hui, approche-toi du trône de la grâce avec assurance, comme nous le dit la parole. Et prie que la grâce de Dieu tombe sur toi, qu'il envoie son réveil sur toi. Afin que le Saint-Esprit vienne te purifier, vienne te laver de toute souillure. Amen. 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 Seigneur, visite-nous par ton esprit, l'esprit d'humilité, l'esprit de piété, l'esprit de force, de foi, de persévérance dans l'amour du prochain, l'esprit de sainteté. Amen. Que ta grâce coule sur moi, que ton nom Jésus.
comme le publicain. Que ta grâce coule sur moi. Que ton onction m'envahisse. Jésus, mon roi, je viens à toi. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu me purifie. C'est ton feu qui me purifie. C'est ton feu qui me purifie. C'est ton feu qui me rend saint. C'est ton feu qui me rend humble. C'est ton feu qui me rend humble. Oui, c'est ton feu qui me transforme. Car c'est ton feu qui me donne l'amour. C'est ton feu qui me purifie. Gloire à toi, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit nous remplisse tout au long de ce week-end, afin que nous puissions expérimenter l'humilité et que nous puissions vivre cela réellement à l'exemple de Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.